Voici nos conseils pour éviter les bruits et les vibrations de votre lave-linge. La première chose à vérifier si la machine vient d'être livrée, c'est les brides de transport. Elles servent à bloquer le bloc laveur dans la machine, et si elles n'ont pas été retirées, la machine peut même se déplacer chez vous. Une solution toute simple pour vérifier si la machine est bien débridée, vous faites bouger le tambour, il ne doit pas être solidaire de la machine, il doit bouger comme ça. N'oubliez pas de régler les pieds pour que votre machine soit bien stable, et n'oubliez pas aussi les contre-écrous pour les verrouiller. Si votre sol n'est pas très stable, comme du parquet par exemple, je vous conseille d'utiliser un tapis anti-vibration que vous mettrez sous votre machine. Lorsque vous positionnez votre machine, évitez de la coller contre un mur ou contre un meuble pour éviter la transmission des vibrations. N'oubliez pas aussi de ne rien poser contre votre machine. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires si vous avez des questions, un j'aime sur notre vidéo et surtout abonnez-vous à notre chaîne. Merci.